Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, nous allons aborder la partie C de l'exercice 4 de spécialité du bac S Pondichéry 2017. Voici l'énoncé. On définit les suites UN et VN par U0 est égal à V0 est égal à 1 et pour toute entité naturelle N, UN plus 1 est égal à 2UN plus 3VN et VN plus 1 est égal à 2UN plus VN. On admettra que les termes de ces suites sont des entités naturelles non nulles. Partie C, étude matricielle. Pour toute entité naturelle N, on définit la matrice colonne XN est égale à UNVN, matrice carré P égale à 1, 3, moins 1, 2, QN est égal à moins 1 puissance N, 3 fois 2 puissance 2N, moins 1 puissance N plus 1, et 2 puissance 2N plus 1. 1A. Montrer que la matrice 1 cinquième 2, 1, moins 3, 1 est l'inverse de P. Question B. On admet que pour tout entier naturel N, on a XN est égal à QN fois P moins 1 fois X0. Démontrer que pour tout entier naturel N, on a UN est égal à moins 1 puissance N plus 1 plus 3 fois 2 puissance 2N plus 1 sur 5 et VN est égal à moins 1 puissance N plus 2 puissance N 2N plus 2 sur 5. Question 2A. Vérifier que pour toute entité naturelle n, on a un sur vn est égal à moins 1 puissance 2n plus 1 sur 2 puissance 2n plus 1 plus 3 sur moins 1 puissance n sur 2 puissance 2n plus 1 plus 2. Question 2B. En déduire la limite de la suite un sur vn. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors, la matrice P, on va la rappeler. Matrice P, c'est égal à 1, 3, moins 1, 2. Donc on va montrer que P fois P moins 1 égale à I2. Donc la matrice identité. I2 c'est 1, 0, 0, 1. Et P moins 1, P est égal à I2. Donc ici, 1, 3, 1, moins 1. Alors, 2 cinquièmes, moins 3 cinquièmes, 1 cinquième, 1 cinquième. Donc ici, on va faire, donc c'est 2 cinquièmes, en plus 3 cinquièmes. Ici, moins 3 cinquièmes, plus 3 cinquièmes. Moins 1 fois 2 cinquièmes, moins 2 cinquièmes. Plus 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, plus, donc, plus 2 cinquièmes. On obtient alors, ici, 1, 0, 0, 1. On a bien I2. Si on a donc 2 cinquièmes moins 3 cinquièmes, 1 cinquième, 1 cinquième, 1, 3, moins 1, 2. Donc ici, 2 cinquièmes. Moins par moins, plus. Donc, plus 3 cinquièmes. Alors, 6 cinquièmes. Moins 6 cinquièmes. Et ça fois ça, plus ça fois ça. Ensuite, 1 cinquième moins 1 cinquième. Et ici, 3 cinquièmes plus 2 cinquièmes. On obtient alors ici 5 sur 5, 1. 6 moins 6, 0. 1 moins 1, 0. 3 plus 2, 5. 1, 0, 0. Donc, 1 sur 5, 2, 1, moins 3, 1, et l'inverse de pi. Alors, p moins 1, on a dit que c'était 2 cinquièmes. 2 cinquièmes,
moins 3 cinquièmes, 1 cinquième, 1 cinquième. Ici, on va faire le produit xn. Ici, on va faire xn est égal à q puissance n p moins 1, 0. Donc, q puissance n, on a dit que c'était moins 1 puissance n, 3 fois 2 puissance n, 3 fois plus puissance 2n, moins 1 n plus 1, 2n plus 1, fois donc 2 cinquièmes, moins 3 cinquièmes, 1 cinquième, 1 cinquième, 0. Alors on va faire le produit matriciel. Hop, hop. Donc, ici, moins 1 puissance n fois 2 cinquièmes plus 1 cinquième fois 3 fois 2 puissance 2n. Alors, pour effacer, donc, moins 3 cinquièmes fois moins 1 puissance n plus 3 fois 1 cinquième fois 2 puissance 2n. Moins 1 puissance n plus 1 fois 2 cinquièmes plus 1 cinquième fois 2 puissance 2n. Ici, on a moins 3 cinquièmes moins 1 puissance n plus 1 plus 1 cinquième fois 2 puissance n plus 1 fois x0. Donc ici, x0, bien entendu, ça va être un U0, V0. 0, V0 qui va être égal donc à 1, 1. 1, 1. Donc ici, UN, PN, ça va être égal à donc moins 1 puissance n, 2 cinquièmes, plus 1 cinquième fois 3 fois 2 puissance 2n, plus moins 3 cinquièmes moins 1 puissance n, plus 3 fois 1 cinquième fois 2 puissance 2n. Moins 1 puissance n plus 1 fois 2 cinquièmes, plus 1 cinquième fois 2 puissance 2n plus 1. Moins 3 cinquièmes, moins 1 n plus 1, plus 1 cinquième fois 2 2n plus 1. Donc là, on remarque que un c'est égal à moins 1 puissance n, donc 2 cinquièmes, et là il y a moins 3 cinquièmes, donc moins 1 sur 5 fois moins 1 sur 5, plus donc 3 fois 2 puissance n, donc 1 cinquième, donc 2 cinquièmes fois 3 2 puissance 2n. Ou encore, ici moins 1 puissance n plus 1 sur 5. 5. Moins 1 fois moins 1 puissance n moins 1 puissance n plus 1, 2 fois 2 puissance 2n, donc c'est plus 3 fois 2 2n plus 1. Pn, pareil, donc 2 cinquièmes moins 3 cinquièmes, donc moins 1 puissance n fois moins 1 sur 5, plus, si on a 1 cinquième fois 1 cinquième plus 1 cinquième, 2 cinquièmes, 2 cinquièmes fois 2 2n plus 1. Donc, moins 1, n plus 2, plus 3 plus 2 fois 2 puissance 2n plus 2. Donc, c'est bien ce qui est demandé. Alors, un sur vn. Un sur vn. Un sur vn. Ici. Donc, on a les 5 vont disparaître. Donc, il reste moins 1
puissance n plus 1 plus 3 fois 2 puissance n plus 1 sur moins 1 n plus 2 plus 2 puissance 2n. On va factoriser par 2 2n plus 1, 2 2n plus 1 sur 2 2n plus 1. Donc ici on a 3 moins 1 n plus 1 sur 2 2n plus 1 plus 3 sur moins 1 n plus 2 sur 2n de 2n plus 1 plus si on a donc ici on a 2. Donc bien entendu moins 1 puissance n plus 2 et bien c'est égal à moins 1 puissance n, donc on a bien moins 1 puissance n plus 1 sur 2 2n plus 1 plus 3 sur moins 1 puissance n sur 2 2n plus 1 et on a bien donc un sur vn. Maintenant on va déduire la limite un sur vn. Et bien moins 1 puissance n plus 1 sur 2n plus 2 2n plus 1 et bien c'est compris entre moins 1 sur 2 2n plus 1 1 sur 2 2n plus 1. Or ça, ça tend vers 0, ça tend vers 0, quand n tend vers plus infini. Donc en fait, la limite quand n tend vers plus infini de un sur vn, ça va être égal à 3 demi. Donc c'est bien ce qu'il fallait. Puis si bien entendu, si ça tend vers 0 et si ça tend vers 0, ben ce terme-là va tendre vers 0 par le théorème des gendarmes. Et ensuite donc, ça va tendre vers 0, donc il va rester plus que 3 demi. Donc limite quand n tend vers plus infini de un sur vn est égal à 3 demi. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBB. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.